Alors bonjour à tous, hein, nous sommes aux essais, le warm-up du Grand Prix de Montpellier et je suis avec Jean-Philippe Dérault. Là je ne me suis pas trompé parce que ça fait plusieurs fois que je me trompe et je vais te laisser te présenter. Alors c'est un champion bien sûr de voiture échelle 1 et qui nous a rejoint, qui fait de la RC et il va se présenter, dire son palmarès qui est assez important, même spectaculaire. Alors je suis Jean-Philippe Dérault, je suis passionné de RC depuis pas mal d'années maintenant. J'ai roulé un peu en circuit et puis là en midi depuis un petit moment. Et voilà, donc ça fait 25 ans que je suis pilote professionnel à l'échelle 1. Donc, je ne vais pas parler de mon palmarès là, mais ceux qui s'intéressent, ils pourront aller sur internet et regarder. Le trophée Andros, hein, plusieurs fois. Enfin, voilà. Je recommande victoire au trophée. Et puis j'ai été champion d'Europe avec Ferrari en GT, j'ai gagné en rallye, en circuit un peu partout. Et puis voilà, je prends beaucoup de plaisir à rouler en TT électrique, en 8e. Et donc, je suis venu voir Franck il y a un petit moment en disant c'est pas normal qu'il n'y ait pas un Grand Prix électrique exactement comme le Ternic qui est incroyable chez toi. Et puis, si tu veux, on essaye de le faire un peu ensemble et on aurait un coup de main sur la com, etc. Donc voilà, il a bien sûr adhéré de suite parce que je sais que c'est un professionnel. Je sais que le club qui est avec lui est incroyable. Il a des gens autour de lui qui sont vraiment au top, vraiment très pro. Donc voilà, ce sera une première au mois d'avril. Je suis déjà très impatient de me retrouver. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert la RC? Est-ce que tu connaissais avant, en parallèle de ta carrière de pilote professionnel? C'était un loisir à côté ou c'est après que tu as connu ça? C'était un peu par période. Des fois, je m'y mettais un an, deux ans. Voilà, en tout cas, pour tout, je vais en faire peut-être 10 ans. Ah, mais quand ça, même. Ça a toujours été avec des creux en fonction de mon programme à l'échelle 1 qui me prenait beaucoup de temps en fait. Donc là ça fait depuis 2000, depuis 2-3 ans là, que je me suis remis pas mal en 8e TT. Voilà, et tu te rappelles de ta première voiture radio commandée? Ouh, je crois que c'était un Yankee. Ah ouais, donc ça, ah oui, il y a longtemps. Ouais, j'étais alors. J'étais très jeune, je crois qu'il démarrait jamais, c'était une catastrophe. Ah ouais. Et puis mais on s'amusait dans les parkings, dans les champs, c'était déjà très très bien pour apprendre. J'ai des hélicoptères, des avions, donc je fais un peu de... en autre catégorie. Ah ouais, donc, ouais super. Et est-ce que ta pratique de la voiture grandeur, je suppose que oui, ça t'apporte quelque chose pour les réglages? Enfin, est-ce qu'il y a des similitudes? Non, au contraire, ça m'a un peu desservi au début, parce que je pensais que je pouvais m'en servir, et puis il y a vraiment beaucoup de différences. Je dirais que c'est plus dans la concentration, dans la méthodologie du pilotage que j'aime bien, qui est un peu la même chose qu'à l'échelle 1. Mais les réglages, bon, il faut que j'oublie ce que je savais faire à l'échelle 1, par contre. Ah ouais, ça n'a rien à voir, strictement rien à voir. Non, pas. Il y a quand même des petites choses qui se rapprochent, mais on ne va pas s'appuyer là-dessus. Ça ne sert à rien. D'accord. Et pour ce Grand Prix, donc tu vas un peu t'occuper de tout ce qui est communication, tout ça, pour le Grand Prix de Montpellier-Brochet, si j'ai bien compris? Bien, c'est surtout des idées qu'on avait avec Franck. Essayer par exemple de faire une super pole pour les 10 meilleurs, les 12 meilleurs, avec un seul tour, avec un peu de musique, avec voilà, comme il n'y a pas le bruit du thermique, on peut se permettre un peu de mettre une ambiance un peu différente. Oui. Donc voilà, je ne veux pas tout révéler, mais on a avec Franck, on a eu pas mal d'idées. Il m'a un peu ralenti parce que j'étais parti sur pas mal de trucs. Il m'a dit déjà la première année, on va faire ça, ce sera déjà pas mal. Donc voilà. En tout cas, ceux qui vont venir, ils verront quelque chose de très pro et très bien organisé et une super ambiance surtout. Ouais. Je rappelle la première année qu'on avait fait ici, quand il y avait le championnat Brochless, on était avec Renault, on avait fait ça. Et ils avaient exposé, ils avaient mis à disposition des Zoé, enfin voilà, il y avait un rapport avec l'électrique, on avait même mis une Zoé au milieu du circuit pour faire les photos avec tous les pilotes, tout ça, c'était assez sympa. C'est vrai que le brushless, ça permet de faire beaucoup de choses, parce que c'est vrai qu'il faut mettre un peu d'ambiance, que ça devient vite chiant pour le public au niveau du bruit, quoi. Il n'y a pas comme les thermiques, et c'est vrai que parfois c'est pas simple. Autrement, au niveau l'ARC, tu vas t'impliquer de plus en plus un peu? Tu vas peut-être faire un peu de championnat de France, des choses comme ça, non? Bon, j'ai fait l'année dernière une partie, championnat de France.
Je le fais un peu en fonction de mon planning, en fonction de mon emploi du temps. Hein. Mais voilà, j'essaie d'en faire au moins 4 ou 5 l'année prochaine. Et bien sûr, le Grand Prix de Montpellier, bien évidemment. Voilà, mais je reste un peu dans ma région toulousaine la plupart du temps. Et pas de nitro ? Non, pas de nitro. Non ? Ça manque pas le bruit, non ? Non, non. Moi qui roulais pas mal à l'échelle 1, je trouve que justement que l'électrique, en feeling de pilotage, ça m'approche plus de l'échelle 1 que le thermique. Puis j'aime bien, je me suis habitué. Il y a quand même une différence de pilotage entre l'électrique et le thermique. J'ai déjà du mal à maîtriser à peu près l'électrique. Si je me mettais au thermique, je pense que je ferais encore moins bien les deux. D'accord, bon, ben, peut-être un jour, on ne sait jamais. Peut-être un jour. En tout cas, on te remercie. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai filmé, ceux qui veulent voir, j'ai filmé ta finale où tu as fait la pole position dans la catégorie broches. Et je pense que tu as gagné peut-être la dernière. Et vous allez voir qu'il a, bah, il a les doigts, hein, malgré que c'est pas sa catégorie première. Il a les doigts et c'est aussi un champion dans la catégorie broches. Merci bien. Merci, à bientôt.